de cette grosse explication entre les écureuils du Bénin en jaune, je le disais, et les éperviers du Togo en blanc. Évidemment, coach après Sabidou, on a senti beaucoup d'émotion à l'exécution des hymnes nationaux. Tout à fait, beaucoup d'émotions. C'est comme je le disais tout à l'heure, on passera par plusieurs émotions. Je crois quand même que l'avantage psychologique est du côté des écureuils. Nous avons le public, nous avons tout ce qu'il faut et la détermination. Et là, bien évidemment, on a le public, on a tout ce qu'il faut. Un mot sur les conditions, on va dire les conditions climatiques cet après-midi, parce que pour jouer un match de football, il y a deux conditions majeures, l'état de la pelouse et les conditions climatiques. Un mot là-dessus. Ben, l'état de la pelouse, l'état est très bon. La pelouse, elle a été renouvelée pratiquement pour ce grand match. Je crois quand même qu'on aura beaucoup de déchets techniques là-dessus. Alors, très belle pelouse qui, évidemment, en tout cas, à défaut d'être exceptionnelle, est quand même nettement mieux que lors des précédentes sorties des écureuils. Ça, c'est une certitude. Alors qu'on a à l'écran, Claude Leroy, lui qui a mis pied en Afrique il y a de cela à plus de 30 ans, en 85 quand il débarquait au Cameroun. Aujourd'hui, il est à la tête de sa sixième nation. Évidemment, après, on va le dire, dans le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Ghana, le Congo, le voici au Togo. Et Michel Dussier, lui aussi, donc qui est à sa, on va dire, à son troisième pays africain après la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin en temps. Donc ces deux entraîneurs de nationalité française qui connaissent bien le continent africain. Tout à fait, ces deux entraîneurs de nationalité française qui connaissent bien le football africain. Et de par leur passé, on sait que c'est des fins tacticiens. Donc nous allons voir un match aujourd'hui très serré qui ne serait pas ouvert parce qu'on a affaire à très tacticiens. C'est parti. Et c'est donc parti avec les Togolais. Mais la récupération de Maman Seibouke, Katou Sebia Soukou, Mounier. Mounier qui attend le soutien de Sebia Soukou, le Dedoulouma Barazé. Alexis Romao, qu'on reconnaît par sa silhouette, le capitaine du stade Rémois en France, l'ancien Marseillais, tout qui a été rappelé pour ce match. Tout à fait. De toute façon, Côte de Roi a misé beaucoup plus sur l'expérience que, disons, l'expérience des joueurs, c'est pour ça qu'il les a fait appel. Il croit quand même qu'avec les anciens qui sont arrivés, ils pourront quand même apporter leur expérience à cette jeune équipe. Alors qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'action de Adebayo qui a été signalée au jeu, il n'est pas du tout du même avis que M. Tessema Bamlak. Et là, c'était quand même un avertissement sans frein sur cette frappe, en fait, malgré la détente de... C'était pas un hors-jeu, il avait commis une faute sur le défenseur central. C'est le plus logiquement possible que l'arbitre a sifflé cette faute-là. Le dégagement de Satiné à l'Agbé, qui cherche la tête de Mounier. Sebio Soukou, le renvoi de Djené Dakonam, qui va évidemment donc se relever, alors que là, bien sûr, c'est Akako Wilson qui était en duel. Le Togo qui a un effectif, on va dire, assez homogène, une bonne dose d'anciens et de nouveaux. Tout à fait, c'est ce que nous constatons. À l'image de Roussama Hakim qui s'est appuyé sur la Flore d'Haïté, Gilles Sounou, quel dédoublement. Ça va vite avec cette combinaison. Heureusement que le capitaine Benoît cet après-midi a bien lu. Et là, c'est fini avec une balle en profondeur. Avec, bien sûr, on va dire l'ouverture du score. Signé David Djigla. Le Bénin qui passe devant. Tout à fait. On vient de voir David Djigla qui vient de le faire plaisir. Qui a poursuivi l'action jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on veut. Ce que je disais tout à l'heure, il fallait quand même qu'on prenne ce match en compte. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois quand même que nous jouons la 11e minute et c'est ce qui a payé. 1-0 pour le Bénin. On n'est pas sorti du cadre traditionnel d'observation. Et on va dire sur une balle de contre-attaque. David Djigla, le joueur, on va dire le natif d'Apapa de demain, regardez, qui prend le dessus sur le défenseur togolais. Et qui va battre Oruba Sagéry, Sabirou. Et ça fait 1-0 pour le Bénin. Le Bénin qui commence ce match de la meilleure façon. De toute façon, les 15 premières minutes, nous sommes en train de bien les aborder. Et c'est qui fait remarquer sur le but de David Djigla. À la tombée de la balle, il a fait un contrôle
un contrôle, ce qu'on appelle un contrôle d'attaque. Et quand un contrôle d'attaque, tout de suite, vous attaquez le ballon et tout de suite vous êtes dans la surface de réparation. Dans la surface de réparation, vous êtes comme un œuf, on ne peut pas vous toucher. Et c'est ce qu'il a exploité et c'est ce qui lui a permis plus ou moins de se mettre entre le ballon et le défenseur. Et c'est ce qu'il a, il est allé jusqu'au bout de son action. Vraiment, c'est un but à saluer. Et là, il faut le dire, cher téléspectateur, que le Bénin, en tout cas, a répondu de la meilleure des façons. Claude Leroy, à qui disait il y a cela quelques mois qu'il vient chercher sa qualification à Cotonou. Hier, avant-hier, j'allais dire en conférence de presse d'avant-match, il disait ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je le dis souvent, dans notre jargon, il est au soir de sa carrière et une très belle carrière professionnelle qu'il a eu à avoir. C'est un monsieur qui respecte d'abord ce qu'il fait comme travail. Il est très professionnel. Et surtout, on va dire que les Togolais ne doivent pas rougir de cette élimination puisque on se rapproche de cette éventualité. On est à 20 minutes sans les arrêts de jeu. Le Togo, c'est quand même une nation qui a commencé par tutoyer le haut sommet il y a longtemps, bien avant les années 70, avec l'étoile filante. Et déjà, il y avait la finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des clubs champions face au tout-puissant Engelbert, actuel TP Mazembe. Ça s'est joué à rien. On va sur le coup franc. Togolais, la tête et la parade exceptionnelle et l'égalisation. L'égalisation togolaise. Seigneur Adebayo. Alors qu'on était justement en train de parler des qualités de Cheikh Emmanuel Adebayo sur cette action. Coach Akwes Amidou, c'est comme une prémonition. Je crois ce match est loin d'être terminé. Vous l'avez dit, ce match de football, il reste encore 20 minutes. Je crois qu'il va falloir rester concentré pour que, évidemment, le rêve ne se transforme en cauchemar, puisque pendant 71 minutes, le Bénin tenait sa qualification. Pour l'instant, le Bénin y est toujours. Sous les yeux de Tessema qui est proche de l'action. Pour ta faire, je crois quand même qu'il y a eu bousculade au niveau de la surface de réparation. Et c'est sur l'arbitrage. Je crois quand même après son crochet, il y a eu bousculade. Il a empêché le joueur béninois de se défendre comme il se fallait. C'est tout à fait logiquement que, disons, l'arbitre Tessema a situé. La 82e minute. On a tout ce score de 1 but partout. Atenia Lagbe qui évidemment prend tout son temps pour se dégager. Le renvoi de la défense togolaise, mais non, c'est Mounier qui a dévié. La balle lui revient dans les pieds. Le joueur de Huddersfield qui ne connaît pas une saison heureuse comme l'année passée, mais qui a deux buts et qui avait marqué récemment contre une équipe de haut de tableau. Ça joue dur pour la conquête du ballon. Jordan Adeoti peut-être une frappe, mais l'a préféré écarter pour son coéquipier David Kiki. Le centre de David Kiki, la déviation de la tête. Et là, le but de la victoire. Le but de la victoire signé Steve Mounier. Voyons sur le centre de David Kiki. La déviation de Jodel Dessous. La déviation de Jodel Dessous. Et si vous mouliez comme un renard de la surface qui surgit et de la tête qui bat le gardien togolais. Je crois que c'est ce but. Le but de nous permettre plus ou moins de beaucoup plus encore à notre qualification. C'est le délire total ici au stade Général Mathieu Kérékou. Délire absolu. Et là, regardez les deux entraîneurs, quel plan. Tout à fait. Quel super plan nous propose notre réalisation. Tout à fait, les deux entraîneurs. Les deux Français dont on a parlé en début de match.
qui connaissent bien le continent africain. L'aîné, l'ancien, qui est au chevet du Togo, et le cadet. Et voilà, et c'est terminé. C'est fait. C'est historique. C'est historique. Le Bénin qui valide sa qualification pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 en venant à bout du Togo 2-1 au terme d'un match très difficile, en tout cas dans le scénario, même si tactiquement les Bénins étaient irréprochables. Voilà, coach Akwesa Aminu, c'est un grand moment pour le Bénin. Un très grand moment pour le Bénin, un très grand moment pour le Bénin. C'est un qualif que nous attendons depuis pratiquement 17 ans, je crois. Depuis 2010. 2010. Cette qualification, elle est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au bon moment. Et ça ne peut être qu'ainsi. D'autant plus que quand on regarde l'investissement fait par la nouvelle fédération, le ministère et tout le peuple béninois, je crois quand même que nous méritons quand même cette qualification. Je l'ai dit tout à l'heure, je le disais tantôt avant le match, que nous avons passé par toutes les étapes. On l'a vu quand même que nous sommes passés par toutes les étapes. Mais en fin de compte, la qualif, elle est là. Et c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, il faut se remettre rapidement au travail pour pouvoir plus ou moins préparer notre participation à cette carte. Steve Mounier, le héros, qui évidemment est congratulé par tout le monde, alors qu'on voit Adebayo qui, en grand professionnel, en grand capitaine, est en train justement d'amener les siens pour aller évidemment remercier le public togolais qui a fait le déplacement. C'est le foot des émotions contrastées, les Togolais qui sont en larmes, les Béninois qui sont en joie, c'est ça le foot. C'est pour ça qu'on aime ce sport et surtout, quel que soit le cas de figure, être évidemment respectueux du jeu, respectueux des règles du jeu, être fair play, je pense, c'est un grand, grand après-midi de football que nous venons de vivre cet après-midi avec, on va le dire, cette qualification qui évidemment tendait le bras au Bénin, tendait les bras, j'allais le dire, mais qui évidemment au détour de la 76e minute a failli évidemment tourner dos au Bénin, mais c'était écrit que le Bénin irait à cette Coupe d'Afrique des Nations et Simounier est sorti du bois pour propulser cette tête qui cloue les éperviers au sol.